Critique de la dialectique hegélienne. L'ambition hegélienne coïncide avec l'ambition philosophique, avec le désir le plus secret de la vie spirituelle, considéré comme expansion et puissance. Ne rien exclure, ne rien laisser hors de soi, quitter et dépasser toute position unilatérale. Elle est liée à cet appétit fondamental d'être qui doit se maintenir, purifié si possible de magie, c'est-à-dire d'illusion. L'hégélianisme affirme implicitement que tous les conflits peuvent être résolus sans mutilation et sans renoncement, dans un épanouissement de l'être. Il affirme qu'il n'y a pas d'option, pas d'alternative, pas de sacrifice nécessaire dans la vie de l'esprit. D'innombrables conflits sont objectivement éprouvés. Aucun n'est éternel. Toute contradiction se dépasse dans un bond, dans un vent de l'esprit. L'hégélianisme reste donc la seule direction dans laquelle puisse s'engager et se formuler un optimisme et un dynamisme spirituel. Autant qu'une doctrine, une méthode logique, l'hégélianisme représente un type de vie spirituelle qui reste valable. Ne pas se proposer un acquisement prématuré de soi-même et au monde, ne pas se dissimuler les contradictions du monde, de l'homme, de l'individu. Les creuser au contraire, malgré la souffrance, parce que le déchirement est fécond et que lorsque les contradictions sont intolérables, l'exigence du dépassement devient plus forte que toute résistance des éléments qui meurent. Tel est le principe de cette vie spirituelle, à la fois douloureuse et joyeuse, sans confusion, en toute lucidité. Elle dit « oui » au monde, mais pas seulement « oui ». Dans une extase aveugle, elle dit aussi « non ». Elle refuse ce qui révèle stérile et moribond. Le conflit et la scission interne de l'âme moderne ne sont pas une invention des philosophes. Hegel le savait. Comme il l'a montré au début de son esthétique, la culture moderne oblige l'homme à vivre dans deux mondes qui se contredisent. D'une part, nous voyons l'homme vivre dans l'actualité banale et le temporel de ce monde, accablé par le besoin et la misère, empêtré dans la matière. D'autre part, il se lève aux idées, à un royaume de pensée et de liberté. En tant que volonté, il se donne des lois. Mais par cela même, il dépouille le monde de son actualité vivante et le résume en abstraction. Ainsi, la chair et l'esprit, la réalité quotidienne et la pensée, la nécessité réelle et la liberté idéale, l'esclavage pratique et la puissance théorique de l'intelligence. La vie concrète mais misérable et la royauté splendide mais fictive de l'idée sont en conflit. Depuis un siècle, cette scission, cette conscience malheureuse du monde moderne n'a fait que se multiplier et s'aggraver jusqu'à devenir intolérable. Hegel, cependant, a-t-il vraiment saisi le contenu tout entier de l'expérience humaine? L'a-t-il saisi dans son mouvement authentique? Est-il véritablement parti du contenu pour faire émerger de ce contenu la forme dans sa vérité? A-t-il vraiment élevé à la pensée tous les degrés et toute la profondeur du contenu, sans le soumettre à une forme présupposée et sans revenir en arrière vers un contenu qui l'est donné immédiatement? Et d'abord, l'hégélianisme en tant que système implique une présupposition essentielle. Alors qu'il prétend n'admettre aucune présupposition, est-il concevable qu'une pensée limitée, celle d'un individu, d'un philosophe, saisisse le contenu tout entier de l'expérience humaine? Si le contenu est infiniment riche, comme le dit Hegel, cette richesse, cette surabondance étant seule digne de l'esprit. Une telle prétention est insoutenable. La recherche du contenu ne peut être qu'une progressive prise de conscience par
La recherche du contenu ne peut être qu'une progressive prise de conscience par l'effort de beaucoup d'individus pensants. La prétention hégélienne clôt et limite le contenu et le rend indigne de l'esprit. Enfermer le contenu de l'art dans une série de définitions esthétiques réduit ce contenu à une forme abstraite. En fait, dans toute grande œuvre d'art, chaque époque, chaque individu saisit un contenu nouveau, un aspect surprenant. Ainsi seulement l'œuvre d'art est l'unité du fini et de l'infini, déterminée et vivant. Le contenu s'approfondit et se développe et s'enrichit. Depuis Hegel, la vie de l'esprit, découverte et création, ne s'est pas arrêtée. Par exemple, avec Nietzsche, l'art grec est apparu sous de nouvelles perspectives. L'exploration de la nature, de la vie, de l'être humain a continué. De nouveaux conflits sont apparus, de nouveaux contenus, de nouveaux problèmes dont les solutions ne sont prêtes à l'avance. D'autres thèmes, d'autres groupes sociaux et spirituels demandent à être élevés au niveau de la vie spirituelle et de l'idée, à être arrachés, en fait et en droit, à l'immédiat, à la nécessité. La nature, la vie donnée, spontanée, n'apporte-t-elle pas un contenu déjà infiniment riche? Vis-à-vis de ce contenu, l'attitude spéculative de Hegel est particulièrement embarrassée. Il veut l'épuiser, le définir, le faire rentrer dans le savoir absolu, c'est-à-dire dans la métaphysique hegélienne. Le ciel étoilé n'est pas plus merveilleux pour lui qu'une éruption cutanée. L'erreur et le mal sont préférables aux trajectoires régulières des astres ou à l'innocence des plantes, car l'erreur et le mal témoignent de l'existence de l'esprit. La richesse de la nature, son ambivalence, sa verve, sa fantaisie, la production incessante de types aberrants et nouveaux ne sont qu'une impuissance par rapport à l'idée. La nature est abstraite et ne parvient pas à l'existence vraie. Si tout le continu était atteint et défini par l'hégélianisme, que resterait-il pour l'art et la science autonome, pour les temps futurs, pour l'action? L'hégélianisme en tant que système achevé aboutit comme le formalisme traditionnel à un conflit aigu entre l'invention et la connaissance, la fécondité et la rigueur. Que l'action soit une chute de la contemplation et la vie intérieure, ou bien ce qui est plus vraisemblable, une fécondation de la pensée par un contact avec le monde extérieur, ou bien encore une essence distincte, parallèle à la pensée, juxtaposée aux autres essences, l'unité étant transcendante, dans tous les cas, l'action a des lois spécifiques. Il y a l'action. Elle fait partie de l'existence donnée dans l'esprit magique qui prétend saisir et arrêter le monde, peut bien sortir pour s'élancer dans le vide. Mais il ne transcende qu'illusoirement. Il y a l'action. L'entendement dit, pour se mettre à l'eau, il faut déjà savoir nager. L'action résout les cercles vicieux, les contradictions de la pensée statique. La pratique est créatrice. Elle ne se déduit pas du concept. Elle a ses exigences, sa discipline, sa logique, peut-être. Depuis Hegel, le problème de l'action et de la pratique s'est imposé à la pensée philosophique. Elle a tenté de définir les catégories spécifiques de l'action. Et parfois même, elle a retourné l'action contre la pensée, s'efforçant de concevoir l'action pure. L'action qui n'est qu'action, appliquant ainsi l'entendement et le formalisme au problème nouveau de l'action. Certes, Hegel faisait une part à l'action, il concevait l'idée absolue comme unité de la pratique et la connaissance,
de l'activité créatrice, de la pensée, L'esprit dépasse l'immédiat, modifie l'objet, le transforme, l'assimile. L'action imite l'esprit, par exemple lorsqu'on mange un aliment. L'esprit hegelien se nourrit du monde, le dévore, le fait disparaître. Mais Hegel n'a pas élucidé l'action en elle-même. En tant qu'elle se heurte à un objet qu'elle ne peut faire disparaître plus ou moins spirituellement, Hegel n'a pas développé l'analyse kantienne de la raison spécifiquement pratique. Il a déterminé un concept de l'action, il a confondu l'action et la pensée de l'action. Mais si l'action aura des lois et un contenu propre, comment limiter son domaine? L'action se proclame am Anfang war die Zeit. Il faut alors sauver la pensée rationnelle comme Hegel tenta de sauver la logique en la dépassant. Hegel ne s'est pas contenté d'approfondir et d'expliciter le contenu pour atteindre la forme. Il a réduit à la pensée en prétendant le saisir totalement et l'épuiser. Il insiste sur la forme à déterminer rigoureusement et définitivement que prend le contenu dans l'hégélianisme. Toutes les déterminations doivent être reliées pour devenir intelligibles. Ces connexions, pour Hegel, ne sont pas découvertes peu à peu, conquises par une méthode expérimentale. Les connexions sont fixes. L'ensemble, la totalité, ferme un cercle. La philosophie forme un cercle. Ce par quoi la philosophie commence est immédiatement relatif et doit à un autre point terminal apparaître comme résultat. Toute autre philosophie n'est qu'une manière de sentir contingente par rapport au contenu. Seule systématisation achevée garantit que l'on tient sous le contenu et fait de la philosophie une science. La vérité cesse d'être conçue comme l'unité de la forme et du contenu. Elle est définie par l'accord de la forme avec elle-même, par la cohérence interne de la forme, par l'identité formelle de la pensée. Et la liberté spirituelle n'est pas définie comme une appropriation du contenu par une prise de conscience. Elle se détermine comme un affranchissement de l'esprit par rapport au contenu comme tel. Expérience, vie, action. Par le moyen de la notion et de l'idée. La forme n'est donc pas critiquée en fonction du contenu et tirée d'une explication de ce dernier. Elle est posée en fonction des exigences de la rigueur formelle et des nécessités de la systématisation philosophique. Après avoir affirmé la primauté du contenu, Hegel déclare que les pensées logiques ne sont pas des moments exclusifs par rapport à elles, car elles sont le fondement absolu de toute chose. La pensée est donc la source secrète de contenu. L'esprit ne le reçoit du dehors que selon l'apparence. Selon les présuppositions non philosophiques, de l'observation et de l'expérience. La nature n'apparaît comme la présupposition de l'esprit jusqu'au moment où l'on détermine la vérité suprême, l'idée. Dans cette vérité, la nature disparaît. Le mouvement de la pensée n'est qu'un retour sur elle-même. La naissance interne ou le devenir de la substance est passage dans l'externe. Inversement, le devenir de l'être déterminé est la reprise de soi de l'essence interne. Le contenu ne se laissait enfermer dans le système clos, circulaire, que parce qu'il était déjà l'émanation de l'esprit qui pose cette forme. Le tout peut se comparer à un cercle contenant d'autres cercles, de telle sorte que le système de ces éléments particuliers forme la totalité de l'idée.
Il ne s'agit plus d'élever librement le contenu à la notion, mais de retrouver dans le contenu une certaine forme de la notion, posée a priori par rapport au contenu, circulaire, close, totale dans un sens spécial de ce mot, à savoir comme totalité fermée. La pensée ne saisit qu'elle-même. Le sujet pensant ne fait qu'assister à ce développement de l'idée. L'intéressant pour les autres sciences est de retrouver les formes de la logique. Et la science contient la pensée en tant qu'elle est la chose elle-même. Autrement dit, la chose en elle-même en tant qu'elle est pensée pure. La matière de la connaissance, le contenu, se détermine ainsi par la forme. D'une façon plus générale, on peut interpréter de plusieurs façons la logique dialectique de Hegel, ou plutôt on peut y retrouver deux et même trois mouvements différents de pensée. A. La dialectique est considérée comme une analyse du mouvement. La méthode suppose le contenu. Elle brise pour la retrouver ensuite l'unité du devenir. À la limite, après une analyse infinie, le mouvement de la pensée coïncide avec le mouvement spontané du monde et du contenu. B. Au lieu d'exprimer et de réfléchir le mouvement du contenu, la dialectique produit ce mouvement. Elle n'est pas tant une méthode d'analyse qu'une méthode de construction synthétique et systématique du contenu. C. La dialectique est considérée comme résultat de l'aliénation de l'idée. À son point de départ se trouve la puissance de l'idée qui sort d'elle-même, se divise, devient autre et produit la dialectique. Chacune de ces interprétations peut s'appuyer sur des textes. Il semble cependant que le deuxième soit la plus authentique et hegelienne. La phénoménologie elle-même, qui insiste tant sur le contenu de la conscience, sur l'aliénation et l'extériorisation de l'esprit dans le monde des choses, déclare que le contenu plus précisément défini est l'esprit qui se parcourt lui-même et se parcourt en tant qu'esprit. Et le chapitre terminal de la grande logique conclut que la méthode est la force absolue, unique, suprême, infinie, à laquelle aucun objet ne saurait résister. La méthode est l'âme et la substance, à la fois. Plus nettement encore, l'idée logique est son propre contenu en tant que forme infinie. L'idée absolue dégagée pour soi s'est manifestée en ceci que la détermination ne prend plus la forme qu'un continu, mais simplement d'une forme. Elle dépasse sa position comme contenu. La logique retrouve dans l'idée absolue la simple unité du commencement. L'être immédiat est devenu par la médiation et le dépassement de la médiation. L'idée parvenue à l'identité avec soi. La méthode et le concept pour qui ne se rapporte qu'à lui-même, elle est donc ce rapport simple avec soi qui est l'être. Le concept n'apparaît plus comme externe au contenu, ce qu'il était dans la réflexion subjective. Dans le savoir absolu, le concept est devenu son propre contenu. L'idée absolue devient commencement d'autres sphères, d'autres sciences, celles de la nature et de l'histoire. Le savoir absolu, au lieu d'être le terme dernier et la fin de la pensée, peut donc être pris comme point de départ. À partir de l'idée, on peut reconstruire le monde. Il n'est pas certain que ces trois interprétations ou ces trois mouvements dialectiques soient compatibles. La théorie de l'aliénation s'estampe singulièrement dans la grande logique. Hegel veut montrer
que l'idée se posant comme unité de concept et de la réalité s'absorbe dans l'immédiateté de l'être, devient nature, mais sans cesser d'être elle-même simple et transparente et libre. La transition doit être entendue en ce sens que l'idée se relâche librement, absolument certaine d'elle-même et se reposant en elle-même. L'idée n'est alors plus que repos infini. Et comme le dit le dernier paragraphe de la petite logique, qui par ailleurs insiste tant sur le contenu, l'idée se résout à délivrer d'elle librement le moment de sa particularité, de la première détermination de l'être autre. Il est assez curieux de confronter ce texte avec ceux qui, dans la phénoménologie notamment, ou même dans la logique, expriment le travail profond, déchirant, de la négativité infinie, de la subjectivité, de la liberté et du dépassement. En tant que sujet, la substance vivante est pure et simple négativité. Processus qui divise le simple, dédouble les termes et les met en opposition, dit la phénoménologie. Hegel ne prouve pas que cette tranquille extériorisation de l'idée délivre des existences contradictoires et non des existences ou essences juxtaposées, extérieures simplement les unes par rapport aux autres. Au contraire, il accepte la religion, le droit, l'art, comme des domaines distincts, non contradictoires, entre eux ou bien avec la philosophie, donc simplement juxtaposés. La religion a un contenu comme avec la philosophie, et ce contenu est soustrait au développement, à la succession de le temps. L'hégélianisme, en croyant saisir tout le contenu, limite le contenu qu'il accepte. L'accepte sans critique tel qu'il se présente et finalement le soustrait au devenir dialectique. Dans ce cas, la contradiction dialectique n'existe que pour et par la pensée individuelle et finie. Parfois, Hegel pose l'être absolu et immobile, savoir éternel de lui-même, identité objective qui supprime éternellement toute contradiction. Le philosophe participe à ce savoir absolu et tire de sa tête le monde entier. La forme de l'identité engendre le contenu. Le système se construit comme une architecture rigide, faite de triangles superposés et suspendus par le sommet. Peut-être alors Hegel sent-il s'ébranler et s'enfuir l'être. Il pose une substance plus étrange encore et plus étrange que l'être, la négativité. Le positif, la détermination, est déjà négation et participation à la négativité qui est l'âme. Le tournant dans le mouvement du concept, la puissance formidable de la pensée qui détruit et dépasse. La négativité, négation hypostatisée, en tant que puissance infinie, identique à elle-même, reçoit alors une existence transcendante. Elle est néant, absolu dans le positif, n'est qu'une manifestation momentanée, aussitôt abolie. Elle est un néant, agissant un abîme mystique, omniprésent, d'où s'écroule le mystérieux cataracte, et en qui retombent toutes les forces de la vie et de la substance. La négativité est un infini cruel, et l'hégélianisme devient un mysticisme subjectif. On pourra le considérer comme une construction du temps interne de l'esprit se mouvant dans l'éternel présent, ou encore comme un essai d'analyse de la structure ontologique de la mort selon l'expression de Heidegger, le contenu objectif disparaît. La spéculation hegelienne est encore imprégnée de la pensée magique.
imposant la participation magique à l'être absolu. Conçue comme savoir et raison, elle mêle le schéma magique et l'effort vers une rationalité approfondie. Elle est en même temps une première métaphysique du néant. Elle oscille entre l'objet et le sujet absolu, entre l'être et le néant, entre le savoir et le mysticisme magique. Le système hegelien en tant que système supprime à la fois le devenir et la contradiction. La contradiction se réduit à une essence logique, à un rapport déterminable a priori que l'esprit retrouve automatiquement en toute chose. Elle n'est qu'une approximation de la vérité relative aux positions adoptées par notre entendement fini. Elle perd son objectivité, n'étant plus rattachée qu'au mouvement spontané et donnée du contenu de la pensée. Il ne s'agit plus de l'unité concrète de contradiction spécifique, mais d'une identité absolue, être ou n'ayant, posée à l'avance de toute éternité. La contradiction ne se laisse pas davantage détruire par Hegel que par les purs logiciens. Elle se venge, ironiquement. L'hegelianisme a voulu mettre fin au devenir par une vision du devenir. Elle enfermait dans un cercle tranquille. Il n'est qu'il y soit vraiment un cercle tranquille, un repos de la pensée en elle-même, un accomplissement de l'esprit. Il a voulu résoudre et dépasser toutes les contradictions du monde. La contradiction et même l'inconséquence sont restées à l'intérieur du système. Hegel immobilise en l'éternisant le réel qu'il prétend reconstruire. Et c'est le réel de son époque. Le troisième terme métaphysique prend chez lui la figure bien connue et fort peu philosophique de l'État prussien. Et cependant, la vie continue. Les États s'écroulent ou se transforment. L'univers hegelien n'est donc que le monde du métaphysicien Hegel, né de son ambition spéculative. Il n'est pas encore le monde des hommes. Dans sa réalité dramatique, que répond-il aux exigences, aux questions pressantes des individus engagés dans la vie qui cherchent une voie spirituelle et un salut humain, qui hésitent devant le néant et voudraient lutter contre la mort et avoir un avenir ouvert devant eux? Hegel tient-il ses promesses? Hegel tient-il ses promesses? La phénoménologie dit magnifiquement ce qui semble se passer hors d'elle, la substance, est être activité dirigée contre elle et son activité propre. Imprudente promesse. Le monde n'est justifié que s'il est mon œuvre. Je veux dire l'œuvre de ce qu'il y a de plus valable en moi, de l'humain ou de l'esprit. Hegel s'engage à me montrer à moi un homme dans le monde, que même ce que je subis est le produit de l'activité humaine et spirituelle en moi. Il s'engage à justifier le passé et le présent et les problèmes du présent comme condition d'existence et de formation de ma liberté. Or, je ne me reconnais pas dans le drame fictif de l'idée qui se laisse aller, a créé le monde, s'aliène et se retrouve dans le système hegelien. L'hegelianisme est un dogme. Il exige une ascèse, un renoncement à l'expérience individuelle et aux problèmes vitaux de l'individu. Lorsque la phénoménologie décrit le tourment de l'être irréalisé, elle me touche au cœur. Mais les aventures cosmiques de l'esprit sont hors de nous. Ce que nous subissons réellement, ce qui nous empêche de vivre, ne disparaît pas magiquement et n'est pas justifié par vertu de l'hegelianisme.
Nous nous heurtons à des forces hostiles, à des êtres étrangers, à des tyrannies. Ces forces sont-elles oppressives, ces destins implacables par une vue de l'esprit? Suffit-il d'être conscient de l'hostilité et de l'oppression comme telle pour s'en affranchir ou pour y consentir? L'hégélianisme n'apporte pas une solution. En tant que système,